Le mauvais film d'horreur. Ohé, arrêtez de vous bécoter. Ohé, la porte est ouverte. Le serial killer est en face. Ohé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'aura pas besoin de forcer la porte, le mec, au moins. Oh ! Ah ! Ok. Donc, on va à une soirée et on ne reviendra pas avant le petit matin. Est-ce que tu peux prendre soin de Drake ? C'est Judith qui nous dit ça. Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Judith. Hein. Je vais prendre soin de Drake. Passez un bon dîner. Donc moi, je suis genre la babysitter. J'ai laissé un papier sur la table avec des tâches que tu dois faire. Donc, ne t'inquiète pas, je te payerai. Merci hein, quand même. Oh, merci Monsieur Scott. C'est très gentil. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est Halloween. Hein. Ah, et les enfants vont venir te demander des bonbons. Ah, elle m'a laissé de quoi leur donner des bonbons aux enfants. Ok, ne vous inquiétez pas, ça va être bien fun. Tu m'étonnes. Alors, ça c'est qui? Ça c'est... comment il s'appelle? C'est chié dessus? C'est quoi toutes ces mouches? Ça c'est... Comment tu t'appelles déjà, mon gars? Oh! On l'a fait, ce jeu-là. C'est rigolo. On l'a fait, ce jeu. Donc alors, attends. Il faut... Moi, je fais toujours un... Garage. Ici, c'est le garage. Il faut toujours savoir un peu où est-ce qu'on vit. Oh putain, là, il y a une porte vitrée. D'accord. Alors, déjà, c'est eux. Donc, ça se trouve, en fait, je pouvais déjà tout ouvrir. C'est pas clic gauche. Garage. Effectivement, je peux l'ouvrir. Garage. D'accord, on a ça. Je ferme. Petit tour dans toutes les barres. Glace d'or. On a un balai. Si jamais je dois foutre un coup de balai à quelqu'un, c'est là. Ok, donc si jamais il y a besoin de se défendre avec un balai, retenez, c'est ici. Retenez les pièces, hein, parce que s'il y a problème, il va falloir foncer. Ok. Salle de bain. D'accord. Ça marche. Je vais même laisser ouvert. Ah, flashlight, que je peux pas prendre, mais elle est en haut. Bedroom. Donc on a une chambre. Garde-robe. Pourquoi on peut pas ouvrir l'autre porte? Bon. Pas mal de chaussures. D'accord. Salle de bain. Bon, là, je laisse ouvert. C'est pour gagner du temps en cas de panique. Vous me connaissez. Light, j'allume. Et là, une chambre. J'allume. J'allume. Putain, s'il y a un tueur et qu'il faut pas se faire gauler, tout est allumé. Bon, allez, on descend. Elle nous a dit qu'elle nous avait laissé des tâches à effectuer... Là, il y a des bonbons. Allez, c'est parti. Lire. Examine. Ok, need to run some errand. What the dish? Alors, attends, ok. Wash the dish. C'est quoi faire la vaisselle? Ok, hop là, regardez-moi ça. Je travaille en restauration toute ma vie. C'est fait. Ensuite. Sweep the Porsche. Ah, c'est nettoyer le Porsche. J'imagine passer un coup de balai, c'est ça? Passer un coup de balai, take out the garbage from the garage, giving candy to children. Oh putain, il y a un couteau. Oh, faut le ranger ça. Ça peut mal finir, on connaît. Petit balai. Ah, je pensais que... Bah, je pensais qu'il fallait passer un coup de balai. Putain, mais il s'est motivé, il y avait des promos sur les... Sweep the Porsche, c'est peut-être pas ça. Peut-être que la vaisselle, il faut la ranger. Non. Bah non. Pour moi, le... Oh putain! Mais c'est... Putain, mais le con! Mais le con! Ni moumou, un cœur! Allez, tiens, tes bonbons. Fais pas chier. Casse-toi, là. Drake? Ah oui, il est où, ce con? Bah oui! Drake, où t'es? Ok, montre-toi. Ça, tu joueras à plus de jeux ou je sais pas quoi. Bon, il est où ce con, là?
Putain! Oh Drake, je te jure, tu vas finir à l'état de pompote dans 2 minutes, toi! Merde, Drake, tu m'as fait peur! T'as toujours peur! Allez, c'est l'heure d'aller au lit, hein! The man will barely get you, ha ha ha! C'est vraiment fun, allez, va te coucher. T'as pas de... T'es puni? T'as pas d'oreiller? T'as pas de couette? Bon, c'est la porte ouverte, tu te démerdes. C'est la police qui arrive là, par contre. Par contre, les tâches à faire, broum, machin, je vais jamais réussir à les faire. Il y a les flics qui arrivent. Attends, mais du coup, c'est un déguisement de flic ou c'est vraiment la police, je suis en train de me dire? Oh, il me paraît tout petit pour un policier, lui. Eh, des bonbons, ma soeur! Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Un petit coup de balai. Ça fait jamais de mal à personne. Petit coup de bien de petit balai bien placé. Hop là. On y va. C'est parti. Babysitter, ça doit bien payer le bail hein, quand même. Hein. Garder des gamins qui passent leur temps à pioncer, eh ben dis donc. C'est fait. Tech garbage, machin, donc c'est les poubelles dans le garage. Ah, ça a sonné, c'est ça? Mais la sonnette, on l'entend très peu. On est d'accord? Ah bah tiens, Wonder Woman maintenant. Des bonbons, ma soeur! Tiens, casse-toi. Just need to take a... Bah oui, bah tiens, j'y étais. Hein. Je suis plutôt forte, dis donc. Et après, je les emmène où? Elles sont où, les poubelles? Ah là. Putain, le quartier, y a pas un... Y a personne. C'est trop chelou. Y a vraiment personne. Hein. C'est fait. C'est quoi ce bruit? Qui ce con? Attends, il a du sang. C'est qui? Il a du sang. Attends, on ouvre pas au clodo, nous. Il est fou, celui-là. Donner des bonbons aux enfants. Non, mais c'est qui, celui-là? Je vais pas lui ouvrir. Attends, moi, j'ai pas confiance. Hein. La confiance, ça, c'est limite. Hein. À ne pas dépasser. Vous êtes qui, monsieur? Oh là là, mais j'ai pas... Oh! Surprise, bébé! Tu m'as manqué! Steve? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis contente de te voir, c'est Halloween! On va s'amuser! Je dois prendre soin de Drake! Tu peux pas rester ici! Oh, relax, princesse! Ses parents reviendront pas avant demain! Je peux rentrer? Ok, tu peux rentrer. But you need to behave. Behave, je sais pas ce que c'est. Putain, mais quel glandu, celui-là! Ah, peut-être sage! Je te promets d'être sage, genre... je te promets de pas faire de conneries, un truc comme ça, non? Oh putain, la porte ouverte! Fermez-la, au moins! Oh, les cons! Oh, les cons! Le mauvais film d'horreur! Ohé! Arrêtez de vous bécoter! Ohé! La porte est ouverte. Le serial killer est en face. Ohé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'aura pas besoin de forcer la porte, le mec, au moins. Oh, oh la gueule. Bah, c'est sûr qu'il n'aura pas besoin de forcer la porte. Hein.
Oh purée. Elle s'est endormie sur le canapé? Steve? Où est-ce que t'es? Là, je dois chercher Steve. Pourquoi il y a le poop killer qui... Mais attendez. Y a un truc à la fenêtre là, non? Putain, c'est la lampe. Pourquoi il y a le poop killer qui vient? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le serial pooper? Pourquoi... Il y a le serial pooper, ça te fait rire de t'habiller en serial pooper? C'est marrant, hein? Oui, des bonbons, un sort. Pousse-toi, je peux pas te donner. Tiens. Bon. Par contre, l'autre, il est mort. Préparez-vous. Steve n'est plus de ce monde. Je vais fermer la... Oh putain, il y a Michael Myers maintenant. Bah, attends, attends, attends. Il va patienter, Michael Myers, je te le dis. Oui, 2 secondes. Ok. J'arrive, Michael Myers. Attends, il y a une flashlight. La flashlight, ça veut dire que le courant va se couper au bout d'un moment. Les bonbons, un sort. Tiens. Steve, où est-ce que t'es? C'est vraiment pas drôle. J'ai pas été voir. Steve, je sais que tu te caches. Mais j'ai regardé partout. Ah! Bah non, il est peut-être sur la terrasse. Putain, il y a toujours le couteau, ça va. 2 secondes. Ça, par contre, c'est le serial killer. Ça, par contre, c'est le serial killer. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Ça, c'est le tueur. Hein. Ouais, ça, c'est le tueur. Des bonbons ou un sort, petite fille. Désolé, monsieur, les bonbons, c'est que pour les enfants. Conversation à base de petits points. Ok. On va jouer à... I want to play a joke. C'est quoi? On va faire une... Genre, on va jouer une blague, un truc comme ça? You and the boy in the house. Quoi? Il n'y a que toi et le garçon dans la maison et le téléphone est coupé. Si tu sors de la maison, je te tue. Si tu essayes de sortir de la maison, je te tue. Tu as 2 options. Et très peu de temps pour te décider. Si tu veux survivre, tue le garçon. Et je te laisserai en vie. Quand la sonnerie de l'église... When the church bell rings. Quand la sonnerie de l'église retentira, quoi. Il sera minuit. Si le garçon est en vie, bah je te tuerai aussi. Et je te garantis que ça sera long et douloureux. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Oui, c'est une blague. Time is running out. Donc c'est quoi? C'est genre le temps tourne? Ok, envie de... Ça ne marche pas. Chut, 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 chut. Rien. C'était qui ce monsieur? J'ai peur. Oh, je suis là pour te protéger, n'aie pas peur. Et il rigolait juste. Il avait vraiment pas l'air de rigoler. Reste proche de moi, ok? Et rien t'arrivera de mal. Reste proche de moi. Je peux pas prendre la putain de flashlight. Reste près de moi, reste près de moi. Y a rien, putain, pour me défendre! Il a dit si le garçon est toujours en vie, je te tuerai. Le gamin, il a une tête de daron. La musique. Je sais pas quoi prendre. Je sais. Ok, j'ai un couteau. J'ai un couteau, j'ai un couteau.
Je lui mets un coup de couteau. Je fais quoi? Je lui mets un coup de couteau s'il me bute. Mais tue le gosse, mais vous êtes des malades! Je vais pas tuer le gamin. Mais vous êtes des ouf, vous! Ça retentit. Ok, le courant est coupé. Je te reste proche de moi, reste proche de moi. Reste proche de moi. Viens, 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 viens. Je peux pas le cacher sous le lit? Je peux pas le planquer? Oh putain, Steve! Va te cacher là-haut! Viens, cache-toi sous le lit, cache-toi sous le lit! Vite, vite, vite! J'avais un choix, soit le mettre dans le garage ou soit le cacher dans le... sous le lit. Cache-toi sous le lit, vite! Vas-y, cache-toi, cache-toi, cache-toi! Cache-toi! Va sous le lit et fais aucun bruit. S'il te plaît, laisse pas le monsieur me faire du mal. Ok, je vais prendre quelque chose pour me défendre. Et je vais le tuer, cet enfoiré. Papa, il a un gun caché dans son armoire. Et tu me le dis seulement maintenant? Ok, j'y vais. What? Ok, il est mort. Il faut que j'aille voir le petit? Oh putain, ça devient de plus en plus noir. Marie a tué le tueur. Quand la police est arrivée sur la scène, il n'y avait aucun corps. Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-il possible qu'il soit toujours en vie? Mais what? Est-ce que vous voulez qu'on essaye l'autre fin où on tue le gamin? Mais oui, c'est vrai, il y avait le copain qui était mort aussi. Il y avait le copain qui était mort, le petit copain. Et là, j'ai le droit de prendre le couteau. Attention, c'est un test, petit. Putain, je pensais que je pouvais pas. Oh, la bad ending! Ah, la bad ending. Ah oui, c'était terrifiant. Le tueur, il est en mode je te laisserai tranquille. Bah forcément, c'est la police qui t'attrape et qui t'emmène en prison après.